L'an de grâce 1536, Jacques Cartier pose le pied sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais il n'est pas le premier à découvrir ce territoire. Halt ! Au but ! En avant, messieurs ! La terre est proche ! Jacques Cartier était envoyé par son souverain, François Ier, afin de reprendre l'archipel aux mains des Portugais. Allons-y ! On sait que des Indiens ont occupé l'archipel bien avant l'arrivée des Européens, mais les Français et les Indiens se sont toujours bien entendus. Bonjour ! Salut les petits explorateurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons vous présenter Saint-Pierre-et-Miquelon. Et oui, on aura donc eu la chance de voir des baleines venir danser à quelques mètres du bateau seulement. Mais bon, depuis on est un peu coincé à Saint-Pierre-et-Miquelon à cause d'un petit souci au moteur, mais on va en profiter pour vous apprendre quelques petites choses sur ces magnifiques archipels français. Dauphin, c'est en deux mots ou pas? Ouais. Do comme le dos et fin, F-A-I-M. Et tortue, pareil. Ouais, du verbe tuer. J'ai dépassé partout. C'est hyper dur. Mais non, tu fais des progrès. Ah oui? Il voit ce qu'il est encore fourré celui-là. Monsieur Mouche! Oui, capitaine? Nous sommes à court de nourriture fraîche, alors faudrait aller voir sur le port s'il n'y a pas moyen d'en en récupérer. J'ai vu qu'ici c'était les spécialistes du crabe, donc allez nous trouver quelque chose et dépêchez-vous. Mais comment je vais m'en sortir, moi? J'ai jamais pêché. Moi non plus! Mais comment on fait alors? On n'a qu'à demander à Gotte la Pêche. Mais c'est qui Gotte la Pêche? Gotte la Pêche, tu connais pas Gotte la Pêche? Bah non, je l'ai jamais vu sur le bateau. Eh bien, je vais te le présenter. Ah super! Mais il y a quelqu'un là-dedans? Oui, mais chut, peut-être qu'il dort encore. Oh. Allez, viens Gotte la Pêche, on a besoin de toi. Oh. Ah, salut Victor! Tu vas bien? Oui. Mais tu te caches là-dedans depuis le début du voyage, toi? C'est vous, Monsieur Mouche? Oui, c'est moi, Monsieur Mouche. Celui qui fait des coloriages avec Victor? Non, c'est des trucs de seconde. Si, tu fais des coloriages. Non, c'est une étude des... D'ailleurs, il dessine pas très bien. Bon, Gauthier, il faut que tu m'aides. Je vais aller pêcher, moi j'ai jamais fait ça de ma vie. Ok, bah viens, moi je connais quelques pêcheurs sur le port. Ah, super. On y va ensemble. Allez. Allez, allez, au revoir, Victor. Bon courage, Monsieur Mouche. Allez. Attends, Gauthier, c'est celui-là, du coup? Non, c'est pas celui-là. Oui, monsieur Mouche, c'est le grand bateau qui est là. Ok. Parfaitement équipé pour la pêche au crabe. Donc là, monsieur Mouche, on est sur le bateau de deux pêcheurs locaux et on va embarquer pour 3 jours de pêche. Du coup, il y aura, dans les 3 jours, on pourra compter 1 jour de préparation, mais 2 jours de pêche en mer. On va même dormir en mer et on va pêcher le crabe pendant ces 3 jours. Super, mais je ne vois pas de canne à pêche. Comment est-ce qu'on va les pêcher, les crabes? Alors c'est normal, monsieur Mouche, le crabe ne se pêche pas à la canne, il se pêche au casier. On en a vu en arrivant au bateau. Du coup, ces casiers pleins, ils peuvent peser jusqu'à 200 kg. On ne peut pas les remonter à la main. On utilise pour cela un treuil qui va remonter le casier de 300, parfois 400 mètres de fond jusqu'au bateau. Et après ça, pour déplacer le casier jusqu'au centre du bateau, on va utiliser le palan qui est la grosse pièce là, que tu vois sur toi, monsieur Mouche. Je ne sais pas si vous avez assisté à des pêches pareilles, monsieur Mouche, mais on peut revenir à bord du bateau avec presque 4 tonnes ou 5 tonnes de crabes. Mais où est-ce qu'on va mettre tous ces crabes? Il n'y a pas de place ici. Et bien, c'est sous nos pieds qu'on va les ranger, les crabes, une fois pêchés. Voilà, et là, il y a de l'espace par ici et par ici pour ranger des montagnes de crabes. On a donc été embauché par Karl, qui navigue avec son matelot Christian sur son bateau qui s'appelle Carlos. Voilà dans quoi vont vivre Thibaut et Gauthier pendant 3 jours. Ils dorment là, et là, il y a le patron et le matelot. Bon, bon. Voilà, matelot. Bon, alors là on est ravis parce qu'il est 3h,
3h30 du mat. Et on était en train de tous s'habiller et tout, de sortir dehors. Et puis le capitaine nous regarde et dit « Non mais retournez vous coucher parce qu'à 9h il arrête de pleuvoir et il n'y a pas de vent. Donc on va retourner se coucher. » Voilà, donc on a dormi 2h30 pour pas grand chose. Mais voilà, c'est la loi de la pêche. Allez, à de suite. Alors Thibaut, comment ça se passe la préparation des sacs de boîtes? Pas trop mal. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? On va lever des casiers tout à l'heure et avant de les remettre à l'eau, on va remettre ça dedans et ça attire les crabes, ce qui sert d'appôt pour les crabes. En 3 jours de pêche au crabe des neiges, on aura donc relevé 70 casiers comme celui-ci, pour ensuite trier les crabes qu'il y a à l'intérieur. Parce que oui, on ne va tout de même pas pêcher des petits bébés crabes, il faut les laisser grandir et se reproduire afin que l'espèce puisse survivre. Comment ça va toi? Je suis escapé. Ouais, j'ai l'impression, hein. Un bébé au sort maintenant, ça fait 19 bacs. Alors, suite de notre aventure sur Carlos, le splendide bateau de pêche mi-cloné, et là je suis en quart de nuit. Parce que Carl trouve que les journées de travail en mer ne sont pas assez éreintantes. Et du coup, il nous fait dormir en mer, à la dérive, ballotté par les vagues. C'est tout à fait reposant, mais c'est une expérience vraiment marrante à vivre et très confort. Vous pouvez le voir, il fait bon à bord de Carlos. On aura été bien ballotté durant 3 jours, mais on ne veut pas se plaindre, car les conditions de pêche étaient bien plus rudes les siècles derniers. Durant 500 ans, des pêcheurs sont venus d'Europe pour pêcher la morue, qui vit en grand nombre sur les bancs de Terre-Neuve. Au début, de gros voiliers, puis des doris, l'équivalent des pointus de chez nous, ces navires étaient moins bien équipés qu'aujourd'hui pour affronter la brume, la glace ou les hauts fonds. Si bien que l'archipel est le deuxième endroit au monde où l'on compte le plus de naufrages. Bon Gauthier, on est au dernier bac là, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Bah comme à peu près 14 fois pendant notre session pêche, bah, les bacs se sont renversés. Il fallait que ça arrive au dernier casier. Alors qu'on était au bout de l'effort. Allez, demain d'eau douce, ils sont en train de se lever là. Ouais, ouais, Gauthier, il va frapper un bain, puis l'autre va vouloir lui en foutre un. Deuxième tournée. Après ces 3 journées sacrément fatigantes, on est donc allé vendre les crabes des neiges à Terre-Neuve, au Canada. On est trop content de ces 3 jours passés sur Carlos, alors un grand merci à Carl et Christian. Bon, en tout cas, Saint-Pierre et Miquelon, c'est une sacrée petite perle, et on sait de quoi on parle après toutes les îles qu'on aura vues jusque-là. Et je vais laisser les gars donner leurs impressions là-dessus. J'ai beaucoup apprécié voir que les Miquelonais se servaient de la nature qui les entoure. L'hiver, ils chassent, l'été, ils cultivent et ils pêchent. Mais tout ça en la préservant un maximum. Et les gens sont tellement chaleureux et leur accueil formidable qu'on n'a limite pas eu envie de partir. Et là, on est sur le départ et on aura une petite boule au ventre en quittant le port de Miquelon. Voilà, vous l'aurez compris, on aura bien apprécié notre séjour à Miquelon. Pour autant, les marins que nous sommes ne sont jamais autant à l'aise que sur l'eau. Et il nous tarde de reprendre la mer pour continuer notre périple. Et au moment où je vous parle, on ne devrait plus être très loin du départ, mais ça vous le saurez en visionnant le prochain journal de bord qui va très très vite sortir. Voilà, c'était le dernier épisode du Petit Explorateur avant vos grandes vacances qui arrivent très bientôt, de petits vénards. Donc profitez-en bien, nous on va poursuivre notre route et on se retrouve à la rentrée pour un épisode bien spécial sur le Groenland. Alors à bientôt et bonne mer !